toute une année passée à tes côtés, mon amour, mais dans un sac en plastique, je me suis dit que pour l'occasion de la Saint-Valentin, on allait te sortir, te faire voir le monde réel. Merci beaucoup, c'est très gentil. Tu sais que je suis quelqu'un de très gentil. Voudrais-tu un peu de lait UHT pour accompagner ton repas? Le lait UHT, c'est pour les démons. Pars-moi pas là-dessus. Je ne veux pas te faire de peine, mais on est quand même ici pour te manger. J'ai jamais été un très beau parleur, donc je sais pas comment je vais faire ça. Ouf. Viens-t'en ici. 12 mois d'attente depuis la création de ce fromage, vous l'avez vu pour la dernière fois en vidéo lorsque je le plaçais sous vide. Contrairement à ce que certaines personnes vont dire sur le sous vide, le fromage s'affine réellement dans ces conditions. Le fromage, oui, est emprisonné à quelque part, mais il n'est pas transféré dans une autre dimension où sa transformation est stoppée net. Le fromage poursuit son affinage. Cependant, sachez que sous vide, eh bien, il n'y a pas d'échange avec l'extérieur. Donc, le parmesan, une de ses caractéristiques, c'est qu'il est sec. Eh bien, si vous le conservez sous vide, tout simplement, le fromage va être délicieux, mais il n'aura pas cette texture très sec. Ce que j'ai fait il y a environ 3 semaines, et vraiment, j'aurais dû m'y prendre plus tôt, j'ai sorti le fromage de son sac, je l'ai asséché, le peu de liquide qu'il y avait à la surface, je l'ai placé dans une boîte de maturation avec le couvercle légèrement entr'ouvert, et durant les 3 semaines depuis que j'ai fait ça, le fromage s'est légèrement asséché. Je vais l'admettre, j'ai été trop agressif sur mon séchage, c'est que j'ai laissé une trop grosse ouverture sur mon contenant. Le fromage, je vous montre à l'instant, a un peu craqué, il a fendu. Et malheureusement, c'est esthétique, mais ça ne se réparera pas. Le fromage est endommagé pour toujours, mais on va le manger de toute façon, donc ce n'est pas si grave. Si vous le faites de votre côté, laissez au moins 6-7 semaines dans le bac comme ça. Il n'y a eu aucune moisissure qui s'est produite sur le fromage. En plus, le fromage est affiné tellement longtemps, il est sec, donc il est un peu immunisé contre des moisissures en surface. Bref, quand vient le temps d'assécher vos fromages, donnez-vous du temps, essayez pas de brusquer les choses, prévoyez un peu les choses d'avance, mieux que moi. Le fromage va donc sécher uniformément, mais aussi en profondeur, et non pas seulement la croûte laissant un intérieur un peu plus humide, et c'est là que les risques de fendre la croûte sont plus élevés. Je n'ai même pas encore coupé le fromage que juste à l'odeur, on devine déjà un peu le style parmesan. Côté texture, il m'apparaît encore un peu souple, il n'est pas tout à fait sec comme j'aurais aimé le voir, mais bon, comme j'ai tellement un gros morceau de fromage, ce fromage avec le temps va finir par sécher, donc au début mon premier corps va probablement être un peu plus mou, mais peu importe, ça va me permettre d'avoir différentes sortes de fromage avec le même, donc je suis gagnant. On y va, on coupe, ça fait 12 mois que j'attends. Je m'approche pour vous montrer. Un peu trop gros pour être mangé, je vais le recouper. Je vois simplement avec mes yeux que la croûte, le tour du fromage est un peu plus foncé, donc un peu plus sec, et que l'intérieur est plus souple. Pas si souple que ça quand même, je pense que ce serait le maximum que je pourrais faire. Pas aussi souple que le fromage buteur Kaiser que j'ai ouvert la semaine passée. J'approche pour vous montrer. Le parmesan, c'est le fromage à râper par excellence, alors je vais tester ça aussi. Je pourrais m'amuser toute la journée avec du parmesan râpé, mais bon, je pense pas que vous êtes là pour ça. On va goûter le fromage. Je vais pleurer. Comme je n'arrête pas de le dire, il n'est pas extrêmement sec, mais justement, ça fait en sorte qu'on peut le manger en petits morceaux et ça goûte, ça a toute la puissance d'un fromage de type parmesan, mais comestible comme ça, parce que quand il est trop dur, bien, on va se casser les dents. Mais là, je me rends compte que je vais sans doute manger beaucoup trop de parmesan. Ouh!
la vie n'est-elle pas magnifique? Seulement un fromage, un petit verre de vin, et voilà, ma journée est faite, je vais m'endormir ce soir avec le sentiment du devoir accompli. Côté texture en bouche, c'est un fromage qui est vraiment très enveloppant, puissant et voire même piquant. Et le goût reste sur une très longue durée. Ça fait peut-être 2 minutes que j'ai mangé mon dernier morceau et je le goûte encore vraiment comme si je venais de le mettre dans ma bouche. Et ce n'est pas un goût désagréable, c'est... Je regarde la quantité de fromage que j'ai et je sens que je vais avoir beaucoup de plaisir à le cuisiner vraiment parce que c'est un fromage qui est assez passe-partout en plus. Et depuis que je l'ai râpé, vraiment, l'odeur s'en est échappée et a pris le contrôle de la pièce. J'espère que l'odeur va rester pour toujours. Comme ça, même plus besoin de parfumer avec des chandelles. Nos endroits, on a juste à saupoudrer du fromage parmesan partout. Pas certain que ma femme va aimer. Donc, c'est le temps de le manger. Oh! Mmh. Wow! Ça, c'était bon! Ça, c'est magique, c'est... C'est juste trop bon. Et c'est problématique parce que maintenant, quand je vais faire d'autres dégustations, je vais me souvenir de ce fromage et je vais me dire ce n'est pas aussi bon que le fromage parmesan. Donc déjà, quand je dis fromage, c'est que c'est vraiment bon. Et je m'aperçois que je rêve d'un monde où, au lieu de neiger de l'eau congelée, il neige des petits copeaux de parmesan comme ça, vraiment. Il faut essayer ça au moins une fois dans votre vie, affiner un fromage sur le long terme comme ça. Parce que comme je le dis souvent, c'est plus que de manger simplement le fromage. C'est que derrière ça, il y a 8 jours de la recette, j'ai passé quelques heures à le faire, mais c'est pas ça. C'est durant toutes les semaines, jour après jour, quand je passais à côté de mon réfrigérateur d'affinage, je savais qu'il y avait ce fromage à l'intérieur et que j'allais le goûter dans peu importe le nombre de mois que j'étais rendu. Mais je savais qu'il y avait ça, puis ça me donnait pratiquement un but dans ma vie. Pas que j'ai besoin de but de fromage dans ma vie comme tel, mais après ça, on le mange et on a vraiment un sentiment de devoir accompli. Il n'est pas parfait, comme j'ai dit, il a fendu pendant que je le faisais sécher. Aujourd'hui, il n'est pas aussi sec que j'aimerais le voir devant la vidéo, mais c'est pas grave. Tous les morceaux de fromage ici, je ne les mangerai pas aujourd'hui. Je vais poursuivre leur séchage durant les prochaines semaines, les prochains mois. Et plus il va sécher, plus ça va être difficile pour moi d'enlever beaucoup de matière comme ça de mon fromage. Donc, je vais juste en prendre un petit peu. Donc, au fil du temps, ça va être encore plus difficile de manger ce fromage. J'en mangerai de moins en moins parce qu'il va être de plus en plus fort. Et quoi dire de plus? C'est vraiment la magie d'un fromage. Ça va devenir mon ami. Ça a l'air drôle de le personnaliser comme ça, de le personnifier plutôt. Mais vraiment, quand on vit avec des fromages, c'est pratiquement un membre de ma famille. Et c'est un membre de la communauté aussi. On m'en parle souvent dans les commentaires. Et d'ailleurs, en commentaire, dites-moi, avez-vous déjà mangé un fromage affiné longtemps? Comment est-ce que vous vous êtes senti? Sur ces bonnes paroles, je vous mets 2 vidéos juste ici, dont la recette pour faire vous-même le fromage de type parmesan qu'on a mangé aujourd'hui. Cliquez, on se retrouve de l'autre côté. Vous me direz qu'est-ce que ça donne après 12 mois. Vous êtes capable de résister à la tentation de le manger avant. Vraiment, ça vaut la peine d'attendre. D'ici là, tout le monde, prenez soin de vous. À la prochaine. Bye bye.